Considéré comme secondaire, le système Chromide constituait malgré tout le principal lien entre le sous-secteur Obolis et Charus via la route warp du canal de Barlek. Cependant, aucun avertissement n'avait émané du sous-secteur Charus de l'arrivée d'une force de frappe hérétique, ce qui n'augurait rien de bon pour les forces impériales présentes dans le système Chromide. Ces dernières étaient nombreuses car des pirates Drukhari sévissaient dans le système depuis plusieurs cycles. Ces raids avaient débuté sur le monde mausolée du repos de la martyre, où l'élite Esperax, la reine des poignards, avait établi une arène aussi vaste qu'effroyable. Les carnages qui s'y déroulaient avaient commencé dans Pureté, la capitale de la planète, avant de se répandre à travers le globe, ce qui déclencha un conflit majeur. Celle-ci avait englouti la mission de l'ordre du châtiment providentiel de l'Adepta Sororitas, dont la Palatine Luminas, responsable des opérations, avait été chargée de retrouver une relique essentielle à la défense spirituelle du monde cardinal d'Alexis Thor. Mais comme si la situation n'était pas déjà critique, des chefs de guerre Drukhari, désireux de surclasser l'élite, menèrent également des raids sur la planète. Les forces de défense planétaire du système avaient alors été renforcées avec 20 régiments de l'Astra Militarum, dont le 14e Lumes et le 88e Savlar, ainsi que de la 2e macroclade de Skitari Metallican menée par le maréchal Skitari des Sitorceptrax Tertian. Ce dernier était un personnage bien connu à travers le sous-secteur Obolis, à la fois pour la vitesse et l'efficacité avec laquelle ses guerriers d'élite répondaient aux menaces ennemies, mais aussi pour la cruauté avec laquelle il les exterminait. Le maréchal Tertian avait pris le commandement des opérations pour contrer les pirates Drukhari dans le système. Il avait mené ses propres troupes et celles de ses alliés avec succès, et malgré des pertes importantes qui suscitèrent des plaintes de la part de plusieurs commandeurs de l'Astra Militarum, il avait remporté des victoires décisives contre les Xénos, notamment sur le monde industriel d'Ocarium et dans les cavernes bioluminescentes de Tortusa. Malheureusement pour les forces impériales, les mesures qui avaient servi à vaincre les Xénos les laissaient en très mauvaise posture pour riposter à une invasion du chaos. C'est ainsi que le seigneur Traxoplasmox de la Death Guard trouva ses ennemis dangereusement éparpillés quand il entra dans le système, notamment sur Ocarium. Une force appartenant au 88e Savlar, sous le commandement du capitaine Glenn Kerus, venait d'achever la purge du sud de la cité de Linkagar quand des ogives pestilentielles et des capsules de largage saturées de maladies s'abattirent sur la planète. Ne pouvant compter sur les autotourelles Icarus qui avaient été détruites par les Drukhari, le capitaine Kerus avait ordonné à ses forces de battre en retraite vers le quartier nord de la cité en détruisant les ponts derrière eux pour ralentir l'avancée des forces hérétiques. L'objectif du capitaine était de replier ses forces vers les positions tenues par les cohortes Skitari en poste au nord de la cité. Cependant, des Drukhari avaient tué les messagers de Kerus avant qu'ils aient pu informer les forces du Mechanicus de leur arrivée, et faute de consignes, les manipules de serviteurs de combat ouvrirent le feu sur le 88e. Malheureusement, lorsque l'erreur fut remarquée, des renforts hérétiques avaient atterri sur les flancs du 88e et des cohortes Skitari, et les deux forces impériales furent massacrées rapidement. Après Ocarium, le seigneur Traxoplasmox mena ses troupes contre l'Agrimonde de Tortusa. Cette Vectorium marchera à sa suite, dont les infâmes hommes creux et les hordes de machines démons de la garde suppurante. Un tel regroupement de forces aurait dû écraser les défenseurs tortusiens, mais les forces impériales étaient sous le commandement du maréchal Tertian. De plus, Traxoplasmox était du genre à prendre son temps, voire beaucoup trop. Ses forces progressèrent lentement à travers les réseaux de grottes de la planète, permettant à Tertian de déborder ses troupes avec des raids éclairs à plusieurs reprises et d'infliger de lourdes pertes aux forces hérétiques. Cependant, malgré ces victoires, les forces impériales ne pouvaient surmonter les effets de la peste, et ils n'avaient pas l'avantage du nombre. En conséquence, les galeries tombèrent les unes après les autres. Mais les combats sur Tortusa étaient loin d'être finis. Ailleurs dans le système, des dizaines de cuirassés du chaos s'attaquèrent à la planète la plus proche de leur sortie du warp, et le monde ruche de la baie d'Odiroche en faisait partie. Menés par des chevaliers Afrolam connus sous le nom de la Compagnie Malveillante, les forces hérétiques laminèrent les forces de défense planétaire, les batteries de défense orbitale ainsi que les convois de ravitaillement impériaux. Sur le monde mausolée du repos de la martyre, les combats faisaient rage entre l'Imperium et les troupes de la Death Guard, malgré le blocus établi par plusieurs vaisseaux de la peste. Parmi ces combats, trois missions de l'Ordre de la Rose de Sable défendaient le sanctuaire de Saint Tristan l'Adoré contre des vagues de zombies de la peste, mais finirent par être submergées, tandis que les forces de défense planétaire étaient engagées dans une guerre de tranchées contre des cultistes de Nurgle.
Ailleurs sur la planète, la force de frappe Brutus du chapitre des Iron Hands s'est battue avec fanatisme pour protéger un monument à la mémoire de leurs frères de bataille tombés au combat, érigé sur la planète depuis 3000 ans. Au début du conflit, le fabricateur général pensait qu'il serait impossible pour n'importe quelle force d'effectuer une invasion coordonnée sans passer par les canaux warp stables. Cependant, les forces du chaos lui prouvèrent le contraire, lorsqu'une flotte de Space Hulk de la peste et de cuirassés de la Death Guard surgit du warp et attaquèrent le système Alumax. Le capitaine de la peste et commandant de cette force d'invasion répondait au nom de Oglosmus Bilge et la mena depuis son vaisseau amiral, le Conquersor. Bilge était un tas répugnant de chair coagulée et de crasse suppurante fusionnée à la passerelle de commandement. Mais c'était aussi un commandeur brillant et l'un des meilleurs lieutenants de Typhus. Sa flotte était également accompagnée par les transporteurs de Titans appartenant à la Légion Morbidus menée par l'Atfir la Noyée, ainsi que plusieurs vaisseaux de différentes bandes d'Astartès hérétiques. Les Titans de la Légion Morbidus s'abattirent sur le monde minier de Héliotyr pour s'approprier ses richesses. Les forces de défense planétaire battirent en retraite face à leur progression, mais avec l'aide des mineurs, ils réussirent à détruire plusieurs titans en piégeant les ouvrages de charges explosives, les faisant tomber dans des cratères. Cependant, alors que les défenseurs cherchaient à se cacher sous terre, des vaisseaux de la peste téléportèrent des Terminators Rouillark et ces derniers déversèrent des torrents de vase infectieux dans les galeries. Finalement, il n'y avait plus que deux choix pour les forces impériales, succomber aux infections dans les galeries ou revenir à la surface et affronter la fureur de l'Atfir. Malgré cette résistance admirable, Héliotyr tomba en moins d'un cycle. Sur le monde ruche du trône de Saint-Bartholf, les forces de Bilge affrontèrent le 72e groupe armé cadien en sous-effectif mené par la colonelle Elena Broski. Celle-ci établit une défense efficace sur la planète, matant des soulèvements hérétiques et repoussant des groupes d'éclaireurs de la Death Guard. Et elle parvint également à émettre un appel de détresse astropathique depuis la ruche Rastigan, même s'il y avait peu de chances pour que des forces impériales l'interceptent. Lors du 19e cycle, les Cadiens qui avaient jusqu'ici résisté du mieux qu'ils le pouvaient furent forcés de céder deux cités ruches ainsi que le réseau de trains magnétiques. Cependant, ils tenaient encore les ruches au nord de la planète, y compris Rastigan. Bilge décida de changer de stratégie et plutôt que de déployer de nouveaux guerriers à la surface, il ordonna à ses chasseurs d'aborder l'arche d'éradication Omnicia Optimalis qui avait récemment éradiqué le monde de Bortreas. Les défenseurs du vaisseau furent exterminés, et par la suite, les forces du chaos amenèrent le vaisseau en orbite élevée au-dessus du trône de Saint-Bartholf. Puis ils l'abandonnèrent, mais firent en sorte que ce dernier plongea sur la ruche Rastigan. L'explosion atomique vaporisa la ruche et les forces de Broski, ainsi que les esprits de la machine des générateurs de boucliers et des tourelles des deux ruches restantes de la planète. Trois cycles plus tard, de nouveaux Vectoriums atterrirent sur la planète et ne trouvèrent face à eux que quelques forces complètement irradiées dont la résistance fut de courte durée. Peu après, un ennemi inattendu affronta les forces du chaos dans ce même système. Il s'agissait des orques flibustiers menés par le capitaine Drakebad Skullbusta. Celui-ci remporta plusieurs victoires contre des bandes renégates mineures. Cependant, Bilge avait besoin de toutes les forces disponibles sous ses ordres et ne pouvait se permettre de subir de telles pertes. Par conséquent, il tendit une embuscade victorieuse aux forces orques avec sa flotte de la peste. Cette diversion permit à une poignée de défenseurs impériaux du système de se replier sur la station de surveillance Metal Obol Gamma 4, qui était cachée aux confins du système. Les communications qui affluaient à travers la station apprirent aux gardes impériaux que des membres de l'Adeptus Astartes avaient répondu à l'appel de détresse de la colonelle Elena Broski, mais en pratique, le système était tombé. Alors que la flotte de Bilge attaquait le système Alumax, Typhus à bord du Terminus Est dirigeait une flotte encore plus imposante dans le système du Rallim, mais il était également accompagné de la flotte du Seigneur Zaid et d'autres champions du chaos. Pendant plusieurs cycles, la flotte du chaos illumina le vide avec leurs batteries d'armes, détruisant les batteries de défense et les plateformes spatiales impériales du système. Au vu de la force écrasante de la flotte du chaos, plusieurs frégates impériales se réfugièrent dans les systèmes Brésensius et Feror, leurs capitaines cherchant à alerter le système Metallica. Et deux d'entre elles, notamment l'Indomitable et le Lady Grezenta, réussirent à se frayer un chemin à travers le Warp. Pendant ce temps, la guerre consuma les mondes impériaux du système du Rallim. Les ruches du monde ruche de Resplendi furent attaquées par des milliards de zombies de la peste. Ces derniers provenaient de la population des niveaux inférieurs des cités ruches, qui furent transformés par la sorcellerie des Sistlings, une alliance tripartite de princes démons. Ces milliards de cadavres étaient également soutenus par des marines de la peste et de l'artillerie démoniaque.
Deux ruches tombèrent en quelques cycles seulement, tandis que les défenseurs des autres ruches étaient assiégés dans les niveaux supérieurs et dépendaient des vols de ravitaillement effectués par les escadrons de Valkyrie qui devaient eux-mêmes affronter de nombreux drones fétides. Mais sur le monde ruche de Magnifieria, la situation était bien pire. Par le biais de sorts psychiques et de raids renégats orchestrés par le Seigneur Zaid, l'arche d'éradication qui se dirigeait vers Alexistor, le Necessitus Ajax, changea de cap et se posta en orbite basse de Magnifieria. Malgré les supplications des défenseurs de la planète, l'arche déchaîna sa puissance de feu sur la planète afin de la purger. Une purge qui dura pendant 4 cycles entiers. Lorsque celle-ci fut accomplie, la Black Legion et la Death Guard frappèrent en force. Et en réponse, le Necessitus Ajax déploya 3 macroclades de Skitari et des processions du culte Mechanicus afin de soutenir le peu de soldats de la force de défense planétaire qui avaient survécu à la purge. Cependant, face à la puissance des marines de la peste, des machines démons et des chevaliers du chaos, la victoire était impossible. L'arche d'éradication elle-même fut détruite, non pas par les forces hérétiques, mais par la dernière batterie orbitale sous le contrôle des forces impériales. Sur Alexistor, les combats faisaient également rage, et Typhus, accompagné par des guerriers triés sur le volet, participa à l'assaut sur la cathédrale sans que tout s'absolisse. Celle-ci était défendue par les forces de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, commandée par la chanoinesse Jogild. Lorsque Typhus arriva sur le toit du bâtiment et vit Jogild, il la chargea sans hésiter avec sa faux. Mais celle-ci pivota dans sa direction et fit un bond en arrière pour esquiver son coup, tout en déchaînant sur Typhus une volée de bolts qui ricochèrent sur son armure. Il chargea de nouveau sur Jogild, mais sa tentative échoua une fois de plus. Il asséna un autre coup suffisamment puissant pour fendre la genouillère d'un chevalier, mais elle parvint à le parer avec sa lame flamboyante. Cependant, la sœur se trouvait désormais dans une situation dangereuse, car derrière elle, le toit s'était effondré. Priant l'empereur, la chanoinesse, désormais nimbée d'un halo blanc, se fendit et tout en repoussant l'arme de Typhus, elle plongea son épée dans son torse. Typhus n'éprouvait plus aucune douleur depuis longtemps, mais la brûlure qu'il sentit fut ce qui s'en approchait le plus depuis des siècles, faisant noircir sa chair et fondre son armure. Hurlant de rage, Typhus rassembla sa puissance psychique et la déchaîna sur la chanoinesse. Et alors que son halo s'éteignait, que sa chair pourrissait sur ses os et que son armure se couvrait de rouille, son regard rebelle brûlait avec autant d'intensité que sa lame bénie. Comme tant d'autres planètes dans les différents systèmes pris d'assaut, les combats étaient loin d'être finis dans le système d'Uralim. L'invasion de Typhus était focalisée sur Metallica, cependant il était conscient du danger que représentait le sous-secteur Lyrac. Car si la maison Raven venait à l'aide de Metallica et du sous-secteur Obolis, ses plans pourraient être compromis. Pour éviter cela, il envoya Tsorkanath et Yarontail avec leur bande dans le sous-secteur Lyrac. Leur mission était simple, lancer des raids contre des cibles impériales dans les systèmes Eladag, Cyclo et Embor, pour que les dirigeants de la maison Raven croient que leur propre système était menacé. Par conséquent, ces derniers seraient moins enclins à envoyer de l'aide à leurs alliés, du moins c'est ce que Typhus espérait. Cependant, même si ses alliés rallièrent le sous-secteur Lyrac comme prévu, ils le firent pour leurs propres objectifs. Autrement dit, ils demeurèrent dans le vide et attendirent que leur propre plan arrive à maturité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord of Warhammer 40 000.